Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre. Avec l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'êtes rien dedans. Vous n'êtes pas vigile. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Tutelle ne peut pas dire avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services entre et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Allez se suivre, vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne. Allez à la CCA. Allez à la CCA. Allez à la CCA. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par M. l'inspecteur général des services, M. Tissacré, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, M. Mabrouk et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer. Et je le fais ici, à la FECAFOOT, il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions Indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là, il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le recrutement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Bon, monsieur Dissaké est dans la voiture, l'inspecteur général. Donc je vais le retrouver dans le véhicule et nous allons rendre compte au ministre des Sports. Ok, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon travail. Je ne le fais pas. Vous m'avez demandé de faire. Ne me faites pas de police ici. Vous m'avez pas demandé de respect, mais. On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que. J'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande ça. Ça va? Ça va bien. Vous allez bien. Venir ici, c'est fort. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je remercie. Merci. Ok. Je vous remercie. Monsieur, mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le temps. C'est la dernière fois. Monsieur, vous interdis de lever le temps. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Je suis entraîneur ici. Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Où es-tu de moi que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais ce n'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Monsieur le sélectionneur?
Alors, je ne peux pas faire mais comment ça. Vous pouvez faire ça au Cameroun entraîneur. Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Très grand. Beaucoup, beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Studio Photo Vision Pro. Vision Pro. Le Studio Photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le Studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le Studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le Studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le Studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le Studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.